C'est un bien commun qui est ici défendu. C'est pour ça qu'il y a tellement d'aspirations à la justice, à la dignité, aux solidarités. Vous avez souligné que la jeunesse, une partie de la jeunesse est présente. C'est une question en effet de solidarité intergénérationnelle. C'est venu tardivement, mais c'est en train d'arriver. J'ai été frappée par le communiqué du syndicat national de la magistrature qui parle de violence d'État. Alors, c'est une violence d'État aux yeux du syndicat national de la magistrature en raison des violences policières. Et j'ai entendu Bruce Toussaint ou vos propres journalistes police-justice à l'instar de Mélanie Bertrand parler de violences policières. Il me semble que c'est nouveau sur BFM TV. Mais cette violence d'État, on a toujours fait des reportages et documenté les violences policières. Je pense que la nouveauté, en fait, il y a eu un moment gilet jaune et la presse, par exemple Le Monde, qui n'avait jamais parlé jusqu'alors de violences policières, a commencé à employer l'expression. Mais au-delà, en fait, je crois que celles et ceux qui se mobilisent par la grève, par les blocages, par les manifestations, avec une forte auto-organisation à la base, avec des assemblées générales, estiment que cette violence d'État, elle va au-delà même de cette contre-réforme. Il n'est qu'à entendre Emmanuel Macron hier parler aussi du RSA. Donc s'attaquer aux plus pauvres, s'attaquer aux plus précaires, c'est d'une violence terrible qui est ressentie comme telle. Et c'est la raison pour laquelle, face à ce sentiment d'un bulldozer, voilà, Emmanuel Macron, mais... Et peu importe, je ne veux pas personnaliser autour d'Emmanuel Macron parce que c'est le pouvoir, c'est l'État et c'est ce régime qui est de plus en plus considéré comme autoritaire. Il y a un autoritarisme. Un proche, un ex-proche d'Emmanuel Macron, le juriste François Sureau, a parlé de démocrature. Mais voilà, ce qui est ressenti de plus en plus, c'est encore une fois une violence qui touche à tous les conquis sociaux, voilà, ce qui a été gagné de longue date. Je vais vous faire rappeler qu'on n'a pas peur des mots sur BFM TV et que quand des violences policières ont lieu, on les décrit comme telles. Au moment des Gilets jaunes, on avait fait un long format de 46 minutes sur blessés au cœur du chaos sur les violences policières, donc on en parle quand il le faut. Et sur le RSA, exactement, alors là je partage, c'est-à-dire annoncer, alors qu'on est dans un pays riche dans lequel il y a des gens qui vivent avec 80% du SMIC qui vivent au RSA, annoncer comme mesure des sanctions pour les allocataires du RSA. C'est, alors là, je ne comprends pas. Pour être très précis, c'est une reprise d'une proposition de sa campagne présidentielle et il ne s'agit pas tant de sanctions. Encore une fois, je ne porte pas de jugement, juste pour être très précis. Ce qui était dans le programme du candidat Emmanuel Macron, c'était l'idée de dire qu'il faut une sorte de ce qu'on appelle dialectique de droit et devoir, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y ait un suivi. Donc, c'est pas exactement comme ça que ça a été présenté. Suivi des allocataires, nous sommes. Absolument, voilà. ceux qui touchent le RSA. Vous mesurez quand même la violence d'une telle mesure. Par exemple, l'idée d'un conditionnement du RSA, d'insister à ce point. Non, mais je précisais simplement En fait, voyez, toute crise, là, on vit une crise sociale, politique très grave. On est face à un soulèvement populaire gigantesque. Et toute crise est révélatrice, donne de la transparence à ce qui n'en avait pas suffisamment et nous donne davantage d'intelligence collective et de lucidité. Par exemple, on a parlé de ces 140 milliards ou 160 milliards annuels d'aide aux entreprises. Et je ne parle pas des petites entreprises, des PME, je parle des grands groupes. On sait qu'il y a 18 milliards d'exonérations fiscales pour les entreprises chaque année. Et donc là, on est en train de toucher aux personnes, mais vraiment qui sont dans un état de détresse sociale, dans un état de grande pauvreté. Pourquoi vous nous rappelez le programme d'Emmanuel Macron, et vous avez raison de le faire, et lui-même dit que voilà, la rue ne gouverne pas, mais là, c'est pas que la rue, c'est pas que la grève, et ça c'est immense, mais c'est une partie extrêmement importante, très majoritaire de la population. Je voudrais quand même vous rappeler, vous vous souvenez du score d'Emmanuel Macron au premier tour, dans le corps électoral, c'est 20%. Quelle est sa légitimité? Il est beaucoup question de légitimité. Et dans tout grand mouvement social, dans toute l'histoire des luttes sociales qui ont donné... Vous remettez en cause la légitimité de la présence du président de la République à l'Élysée? Absolument, bien sûr, parce que cette légitimité... Ce que ne font aucun syndicat, par exemple. Je défends ce point de vue, évidemment, avec force, comme beaucoup de personnes qui se mobilisent. Parce que 20% du corps électoral, je suis désolée, dans les conditions que vous connaissez, par exemple, il a été élu avec 38% des voix au second tour, si on considère l'ensemble du corps électoral, dans des conditions où il est face à Marine Le Pen. Voilà, donc il faut quand même finir vous parlez avec de sa légitimité discours. Juridique ou de sa légitimité politique à juridiquement, il est légitime. Il est arrivé en tête, mais écoutez, tous les autres ont fait moins. Non, mais soyons juridiques, soyons raisonnables. Les élections, on compte les mois. Monsieur Barbier,
J'ai en tête vraiment cette séquence qui m'a beaucoup marquée parce que je suis historienne de la Commune, quand vous suggériez à Emmanuel Macron de s'inspirer d'Adolphe Thiers. Ah oui, il a sauvé Adolphe la République, Adolphe Thiers. Il n'a pas sauvé la République. Ah si, il a sauvé la République. Il a fait massacrer entre 10 000 et 20 000 personnes. Il a sauvé la République entre la monarchie d'un côté et le pouvoir révolutionnaire. Et après, si vous le voulez bien, on dépassera les références historiques pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui. Je suis aussi comme historienne, mais c'est très important. J'ai M. Barbier face à moi et je voulais lui rappeler que avoir une telle référence historique et en fait justement souvent dénigrer celles et ceux qui, comme les hommes et les femmes de la Commune, se battaient pour l'équité, pour l'égalité, pour la justice. Ils ont renversé la colonne Vendôme, ils ont fusillé un évêque, ils ont massacré aussi leur côté. Puis-je interrompre ce débat, qui par ailleurs, je vous le dis, m'intéresse, mais que nous aurons éventuellement une autre fois. Les Prussiens auraient occupé le pays. Voilà, une vision historique est idéologique. Mais vous ne l'étiez. Mais si, on fait une interprétation. Mais vous n'êtes pas dans la vérité historique, vous êtes dans l'idéologie. L'idéologie historique, c'est un massacre. Christophe Barbier, Ludivine Bantini, pardonnez-moi. On ne va pas parler de Thiers le soir où vous avez 3,5 millions de Français, pardonnez-moi, qui sont en train de, selon la CGT, en train de défiler, et plus d'un million, comme le disent les Français. Mais alors, moi non plus, je ne suis pas très friande des sondages, mais en l'occurrence, ils sont un point d'appui dans la mobilisation. Plus de 67%. Pour l'instant, ça n'a pas baissé, c'est resté très stable. De cette opinion, et non seulement opposé très fermement à la réforme, mais aussi très favorable à ce que le mouvement social se poursuive. Et se poursuive avec des formes, comme on l'a vu, beaucoup de solidarité à l'égard des éboueurs. Et je pense qu'y compris vos reporters de terrain ont parfois eu peine à trouver des personnes qui diraient « nous regrettons vraiment d'être prises en otage ». Il n'y a pas énormément de colère, et forcément, contre ce mouvement, parce qu'il est extrêmement populaire, il est extrêmement solidaire. Vous parlez beaucoup des violences, là, des bris de vitrine, etc. Mais tout à l'heure, j'évoquais la violence d'État que mentionne le syndicat national de la magistrature. En fait, je pense que pour celles et ceux qui se lancent dans des manifestations spontanées, des manifestations libres, la violence n'est pas là. La violence, pour beaucoup d'ailleurs, on a des visages en tête qui, à nos yeux, incarnent une violence sociale structurelle. Moi, j'ai en tête Djabal Shah, qui est ce chômeur qui s'était immolé par le feu devant un Pôle emploi. J'ai en tête Paula da Silva, qui était une postière qui s'est suicidée étant donné ses conditions de travail. J'ai en tête Christine Renon, qui est une directrice d'école, qui elle aussi s'est suicidée en raison de ses conditions de travail. J'ai en tête Yannick Sansonetti, qui était un employé d'un magasin Lidl, qui s'est pendu dans la chambre froide de son magasin. Et donc, en fait, je pense qu'il faut raison garder quand on utilise le mot de violence pour aussi bien des bris de vitrine que des vies humaines. Mais pour beaucoup, voilà, cette violence, elle est tout autre. Je parlais de l'engagement d'Emmanuel Macron, qu'il n'y ait plus de morts dans la rue en raison du statut de sans-abri, et on est toujours au minimum à 600 ou 700 morts par an. Et je pense que ça, madame, il faut en parler tout autant. Excusez-moi, ce que vous dites est intéressant, mais cette simplement, violence sociale, elle est surtout ressentie. Non mais madame, j'entends, et encore une fois, il n'est pas question de minimiser les cas que vous avez évoqués. Mais ce ne sont pas des cas, ce ne sont pas des cas. Non mais des cas, c'est des situations. Non, madame, n'essayez pas de me piéger dans ce que je dis. Je reconnais évidemment la réalité de ce que vous dites. Je dis juste que cette façon qu'il peut y avoir parfois dans certains discours de considérer qu'au fond, la violence que l'on voit dans la rue est une sorte de réponse légitime à la, entre guillemets, violence d'État, entre guillemets, violence sociale, et que donc ce serait une sorte de soit un dommage collatéral, soit une réponse justifiée, est quelque chose d'assez singulier. Parce que vous dites, mais c'est quelques bris de vitrine. En fait, moi j'ai juste une question à poser à M. Duhamel, même s'il ne m'écoute pas. Si, je vous écoute. C'est intéressant que vous disiez, ah oui, mais les violences quand même. Mais en fait, j'aimerais bien vous imaginer le 14 juillet 1789, là, derrière votre micro, en plateau. Je ne sais pas, on pourrait dire télé-Versailles, hein, je ne le dis pas par ironie, parce que je pense que voilà, le lieu du pouvoir, c'est Versailles. Vous auriez été à télé-Versailles. Et qu'est-ce que vous auriez dit alors sur les violences? Parce que la violence, vous pensez vraiment que là, il s'agit de violence? Toute notre histoire, je ne sais pas ce que vous pensez du 14 juillet, et on se fiche de savoir ce que je pense. C'est moi qui vais terminer. Je vous donne juste un exemple d'un dessin de presse qui m'a beaucoup marqué, c'est un dessin d'Ahmad. Il représente des casseurs, hein, selon l'expression que vous appréciez. Ils sont en train de casser une vitrine et il est indiqué régime de retraite par répartition. Et ils cassent. Et il y a des manifestants qui regardent ces casseurs, qui disent, mais alors c'est quoi, c'est les Black Blocs? Et l'autre répond, non, ce sont les Black Rock. Black Rock, c'est-à-dire ce fonds d'investissement. Le fonds d'investissement. Voilà, avec toute la question de la retraite par capitalisation. Donc moi, je vous réponds et ensuite je le terme de violence, il est
est un peu trop élastique, il est un peu trop extensif pour caractériser aussi bien des feux de poubelle qu'une violence qui touche vraiment l'existence. Vous avez interpellé mon camarade qui vous répond. Je réponds rapidement. Oui. Un, je ne crois pas que la situation soit exactement comparable au 14 juillet 89 et qu'Emmanuel Macron soit Louis XVI, ou alors quelque chose m'a échappé. Deux, vous dites Télé-Versailles. Louis XV, mais attendez. Deux, vous dites Télé-Versailles. Je ne crois pas que ce qu'on fait ici, en parlant à longueur de journée des mobilisations, en invitant des spécialistes des mouvements sociaux, en faisant vivre le contradictoire, ressemble d'une façon ou d'une autre à une Télé-Versailles, comme si au fond, on était là pour donner la parole seulement à un seul parti. Ensuite, et j'en termine par là, je m'interrogeais simplement sur la façon dont vous mettiez en parallèle et dont vous balayiez d'un revers de main des violences qui sont des violences, en considérant qu'au fond, c'était une réponse légitime à ce que vous appelez violence d'État ou violence sociale. Voilà, ensuite, BlackRock et tout, je pense que sincèrement, pour ceux qui nous regardent là, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Là, il s'agit d'une opposition à la réforme des retraites. Mais bien sûr, il y a des manifestants et il y a des gens qui viennent et qui sont violents et qui... Je vais vous dire ce que je pense. Non. Je crois que ces casseurs-là n'ont pas grand-chose à faire de la réforme des retraites, de la question des carrières longues ou de la question de la pénibilité. Excusez-moi de vous interrompre, on repart sur le terrain.